Bonjour, je suis Basile, le chef pâtissier du restaurant du chef Jérôme Brochot. On va partager une recette que j'aime beaucoup. C'est une bûche de Noël toute au chocolat avec la meringue suisse. J'ai commencé par séparer 6 œufs. On a besoin des jaunes pour la crème et des blancs pour la meringue suisse qui est notre biscuit. Dans une casserole, on va peser les autres ingrédients. 250 g de lait, 250 g de crème liquide et 70 g de sucre en poudre. Donc on va mettre la casserole au feu fort et on va attendre jusqu'à l'ébullition. On verse le mélange de casserole dans les jaunes d'œufs. On remet le mélange dans la casserole juste que ça prend la température de casserole. En 20 secondes, pas plus, on peut voir que la texture est la texture d'une crème anglaise idéale. Donc maintenant on va peser 200 g de chocolat de couverture. On va mettre la crème anglaise qu'on a fait. On met un tiers, on mélange. Une fois que c'est bien mélangé, on continue avec le deuxième tiers. Et on ajoute également le reste de la crème. Elle a l'air lisse et liquide, mais dans les frigos, elle va épaissir. Et ce qui est très important, c'est de bien filmer la crème aux surfaces pour éviter la croûte. Donc on laisse au frigo pour 4 heures minimum. Pour faire une meringue suisse, on doit préparer une belle marie. En même temps, on va peser 150 g de blanc d'œuf, 300 g de sucre en poudre et on va fouetter. Il va blanchir et il sera à la fin chaud. Ça ne prend pas beaucoup de temps vraiment. C'est prêt et on va les mettre dans le bol de batter pour continuer à monter jusqu'à ce que ça refroidisse totalement. Donc la meringue est prête. On va ajouter 30 g de cacao bien tamisé et on va mélanger. On veut juste un mélange homogène. Mais s'il y a des irrégularités, c'est pas grave. Donc on va étaler la meringue sur une plaque avec du papier cuisson. Il faut la cuire au four préchauffé pour 15 ou 20 minutes. En attendant la meringue, on va préparer les coulis framboises. Donc on a mis 300 g de framboises et 30 g de sucre. Et on va laisser à mijoter un peu. Les framboises sont toutes écrasées et ça devient épais. Donc c'est prêt, on peut enlever. Et on va le passer avec l'aide d'une cuillère au chinois. Donc là, il faut bien appuyer et ça va donner une texture agréable au coulis. Et maintenant, on doit le laisser refroidir au frigo pour une heure. Et le montage est très facile à faire. On va renverser la meringue sur le plan de travail. On prend la crème. N'hésitez pas à goûter la crème aussi, c'est bon. Mais ne mangez pas trop. On prend une spatule et on étale. Quand on renverse la meringue, c'est mieux de la renverser directement sur un papier de cuisson. Sinon, ça va être un peu compliqué si vous n'avez pas l'habitude. Pour rouler, c'est tout facile. On fait juste monter un peu comme ça le papier et le tourne tout seul. On va mettre les bûches sur un plateau et on va le laisser au frigo de 3 à 5 heures. C'est le meilleur. On commence avec un peu de coulis framboise sur l'assiette. On va poser la tranche de bûche au milieu et on peut faire une petite quenelle de crème fouettée sans sucre. Et pour finir le dessert, on va mettre des framboises et des noisettes torréfiées. Et donc Simon, qu'est-ce que tu nous proposes pour un dessert comme ça? On est en période de fête, alors pourquoi pas aller sur des bulles? Car les bulles, c'est l'effervescence de plaisir. Et en plus, on est en Bourgogne. On a la chance d'avoir des beaux créments de Bourgogne de la maison Picamelot à Rully. Donc, je vous souhaite une très belle dégustation. Bon appétit, bonne fête et kalach stoyan.